Shut up tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Oh, un café. Je veux du café. Boum. Yeah. Ça, c'est la puissance. C'est comme ça que je me réveille tous les matins de ma vie. Je me réveille et c'est comme ça que je prends mon café. Yeah. Oh, il est arrivé. J'ai sauté et je me suis pris une voiture. C'est aussi comme ça que je commence tous les matins, à l'hôpital. Oh, il y a un chien. C'est un chien ou c'est un chat? Attendez, vous voulez voir le combat? Un chien contre un chimpanzé. le chimpanzé gagne. Pas. Yo. Comment ça va, les gars? On est dans le crew, là. Pourquoi tu m'as poussé? Boum! Je hais les gens qui me poussent et je hais les gens qui parlent dans une langue que je comprends pas. Ok, alors normalement, j'ai le mode invincible, donc du coup, qui me permet de rester invincible contre toutes les attaques. J'ai aussi le mode qui me permet de sauter très haut, donc fast jump. Wouhou! Et j'ai aussi le mode qui me permet de courir très vite, regardez. C'est très rapide pour un singe. Ok, alors on a déjà fait ce saut là la dernière fois, mais j'ai trop envie de le refaire. Regardez comment c'est beau par un coucher de soleil. Donc on va trouver une moto et on va faire ce saut là. Allez, dégage la pancarte. On est parti pour la vie extrême. Ok, on va se mettre là-haut. C'est pas une moto. Je veux une moto et je trouve pas de moto. Parce qu'il y a trop de noms, regardez. Tout sauf des motos. Oh, je veux une moto s'il vous plaît. C'est pas possible, il n'y a pas une moto dans le truc. Parce que la dernière fois on avait réussi à en trouver une. Si je connaissais le nom des voitures, ça irait plus vite, mais je les connais pas, du coup ça va être très long. Oh, yes, une moto alors, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, attendez. Ok, donc là j'ai trouvé les motos, mais le problème c'est que maintenant il y a ça devant moi. Du coup on va devoir prendre de l'élan à partir de là. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Donc je fais spawn, enfin je fais apparaître une moto. Elle est tombée, mais sérieusement, mais cette vidéo elle est bizarre parce que j'arrive rien à faire. Ok, on va prendre cette moto là, on est parti pour la vie extrême. C'est parti, go, monte sur la moto le chimpanzé. On va pas le faire en marche arrière parce qu'on n'est pas extrême à ce point-là. Mais là, on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le saut de l'extrême? Enfin, ceux qui ont vu la dernière vidéo le savent déjà que c'est très dur. Mais vous allez voir qu'on va réussir. Wouhou! Yeah! Ça marche, ça marche, ça marche! Ça marche! Salto, salto! Et on est mort. Ce jeu est dur. Parce que j'arrive pas vraiment à trouver quoi faire. Parce que tout a déjà été fait dans GTA V et trouver un truc qui n'a pas encore été déjà fait, c'est très difficile. Mais après un singe qui saute d'une falaise, fallait le trouver quand même. Philippe, comment tu vas assis sur ton banc? Philippe, attends, je vais te raconter ma vie parce que je sais que t'en as rien à faire. Philippe, hier, j'étais au zoo et on m'a donné une banane. Ouais, attends, c'est la suite de l'histoire est encore mieux. La banane, elle était périmée. Ta gueule! Yes, on a cassé le banc. Ok, j'aime pas les gens qui écoutent pas mes histoires et qui me répondent pas. Ok, toi avec ton chapeau. Boum. Personne n'arrête le macaque. Faudrait qu'on trouve une voiture. Oh, est-ce qu'il y a pas une voiture dans le coin qu'on pourrait prendre? Celle-là, elle a l'air bien. Allez, je veux cette voiture-là, regardez. La grosse voiture. En plus, vu qu'il y a des passagers à l'intérieur, ça va être trop drôle. Ok, dégage-toi. Va te refaire ton brushing, Barbara. On n'a pas le temps. Oh non, ils sont partis de la voiture. Là, je suis un singe qui conduit une grosse voiture. Ok. Donc on est parti pour faire n'importe quoi. Et la police, oh non, on va devoir fuir la police. Parce que là la police ça va nous embêter sinon. Ok, on se barre par là, ça passe. Pas, c'est passé, ok. On a qu'à dire que c'est passé. Hop. Ok, on va aller sur la plage. Oh, un jet ski, parfait, attendez, on va prendre un jet ski. Parce qu'il faut qu'on s'enfuit. Je hais ma vie. Ok, heureusement que j'ai ma belle moto. Ma petite moto Betsy. Ok, là on est parti. On va retourner à la plage parce que j'ai envie de piloter un jet ski. Ça serait tellement cool. Je sais juste plus du tout où il faut aller. Je crois que c'est de ce côté-là. Dégage-toi. T'es pas mon pote. Ok. On va passer par là. Je crois que c'était par là. Donc on est parti. La plage. Ah, je sais pas où c'est. Ça peut être là. Attendez, on est parti. Ah, dérapage. Parfait. La plage est juste là, je crois. Mais du coup, il y a un mur. Attendez, il faut qu'on trouve un moyen d'aller dans la plage. Ok, là on est bien. Ça passe. Parfait. J'aime bien comment on a cassé tout un grillage, mais on n'arrive pas à casser le petit poteau. Donc normalement là il y a la plage qui est là. On est parti pour y aller. C'est parti. Par contre je sais plus du tout où est jet ski. On va devoir le trouver. Ok, là il y a des gens. Regardez, eux ils passent une bonne après-midi. Et moi j'arrive sur eux et je fonce. Allez, on est parti. Ok. Je crois qu'on était à peu près vers là. Faut juste qu'on trouve les jet skis. Ok, ils sont là normalement. Oh, il n'y a plus. Il n'y a plus de jet ski à cette heure là. Oh non. Ils ont tout enlevé quand ils savaient que j'allais venir. C'est pas grave, on va rouler sur la plage. Wouhou! À fond la caisse, ok.
Attendez, est-ce que là on peut prendre la bosse qui est là? Oh, c'était cool! Génial, ok. Je pensais qu'on allait mourir vu que c'était un caillou. Attendez, il y a quoi là-dedans? Wow, tout part en chouquette. Je sais pas piloter une moto. Ok, on va jouer à un jeu. Vous savez, dans les films, il y a souvent genre deux voitures qui se... Comment dire? Qui s'affrontent comme ça, ou même des vaisseaux ou quoi, qui vont droit l'une devant l'autre, qui s'approchent, et c'est la première qui dévie qui a perdu. Et bah là... Et bah là, on va faire pareil, ok. Je vais foncer sur la route, et on va voir qui va s'arrêter. Ok, c'est bon, je m'arrête pas. Il s'est arrêté, mais je suis mort. Ok, heureusement que j'avais mon casque, c'est pour ça que j'ai survécu. Pourquoi tu me klaxonnes, toi? Ta voiture, elle est trop moche, un peu comme ta tête. Allez, dégage. J'ai pas le temps pour toi. C'est très beau GTA V, parce que... Même si c'est un jeu qui date d'il y a assez longtemps et que maintenant les gens attendent GTA 6, le jeu est quand même vachement beau pour l'époque. Ok, toi t'es mort. C'est officiel, j'aurai jamais mon permis. Parce que dans la vraie vie je l'ai pas et je pense vraiment que je l'aurais pas vu comment je conduis dans ce jeu. Parce qu'une fois j'ai essayé en plus, j'ai essayé de, comment dire, de me limiter, respecter les limites de vitesse, respecter les feux rouges, enfin, conduire normalement dans GTA 5 et j'ai pas réussi. À chaque fois, il y a toujours eu des milliards de morts. Et j'ai pas envie de mourir tous les jours. Regardez, attendez, je vais essayer de faire des folies là. On est parti, on fonce. Avec la petite voiture, on est parti, on fonce. On fonce. Pourquoi on fonce? Je sais pas. Oh, des pneus. Ok, oh, cette voiture elle est cool. Mais j'ai pas envie de la prendre. Pour l'instant on va rester avec ma propre voiture. On va aller sur la ligne blanche. Mais dégagez. En même temps c'est moi qui roule en sens inverse. Mais c'est les gens qui me gênent, ok. Là on est bien. Là on est moins bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Ok. On va se calmer 2 minutes, je vais nous téléporter à un autre endroit, on pourra aller un peu n'importe où. C'est quoi Crumash? Ok, ça a l'air nul. On va se téléporter... Là on est bien, là on est téléporté, on est très bien. On est en pleine ville, et il y a plein de choses à faire ici. Est-ce que j'ai encore mon... Est-ce que j'avais un mod? Oh... Ok, j'ai encore le mod. Donc c'est parti. Wouhou! Ah, yes! C'est un mod qui fait tout exploser. Toutes les voitures, elles partent en chouquette. Sauf elle. Wow! Et après on dit que c'est moi qui sais pas conduire, mais c'est vous là qui arrêtez pas d'exploser. J'aime bien quand, comment dire, quand la physique du jeu elle part complètement en chouquette. C'est tellement fun. On va rouler comme ça et toutes les voitures vont exploser. BOOM! Destruction! Yes! Attends, est-ce que si je sors de ma voiture ça va être horrible, c'est le cataclysme. On va sortir de ma voiture. Wouh! What the fuck? Il se passe quoi? C'est le cataclysme! C'est le Carmageddon! Il y a quelques voitures qui s'en foutent un peu. Ça doit être des voitures électriques, végétariennes. Ok, là je sais pas trop où aller. Oh, on fait tout exploser. Ok, on va prendre cette voiture là, elle a pas l'air d'exploser. Quoi qu'il lui manque une roue, donc je sais pas. Oh, c'est tellement cool. J'adore quand je vous dis quand tout explose, c'est tellement stylé. Ok, on va aller au cinéma. J'ai envie d'aller à Hollywood. Parce qu'à Hollywood, ils aiment les explosions. L'endroit est très cool. Oh, un fond vert. Génial, attendez. Faut que j'incruste un truc là. Ok, c'était parfait. J'aime bien Hollywood. Pour de vrai, dans la vraie vie, je fais des écoles de cinéma. Enfin, je fais une école de cinéma et j'aimerais trop aller à Hollywood. Genre juste pour le fun, aller toucher les acteurs comme ça, avec ma main. Quoi que tu me diras, l'endroit il s'appelle Vinewood. C'est un gros plagiat de Hollywood. Quoi? J'ai fait quoi? Pourquoi la voiture m'a foncé dessus? C'est n'importe quoi. Maintenant j'ai du sang sur ma chemise. Je vais devoir aller chez le repasseur. On a un peu foutu le chaos, mais tout va bien. Donc, on peut continuer à marcher sereinement. Bonjour tout le monde! Au revoir tout le monde! Ah non, on a fait exploser un bus! Tous les passagers qui étaient à l'intérieur n'iront jamais à leur destination. Quoique les gens sont encore vivants. Les gens, c'est des. Attendez. Les gens, c'est des warriors, attendez. Le bus a explosé, il y a du feu partout. Et ils pensent même pas qu'ils pourraient sortir. Ils restent là, en position fétale, et ils attendent je sais pas quoi. Un sauveur, et ce sera pas moi. Je sais pas ce que je fais, mais c'est tellement cool. Cool, cool, cool. Je sais pas ce que je fais de ma vie, mais c'est tellement pourri. Ok, donc en fait, vu que j'ai le mode invincible, les flics ils me font rien, du coup je peux m'amuser comme je veux dans le jeu. Mais là je sais vraiment pas quoi faire, je suis perdu. Perdu comme une truite. Ok, merde, j'ai fait apparaître un jet. Et le truc c'est que vu que tous les véhicules explosent, bah elle a explosé aussi. C'est tellement con comme jeu. Ok. On va mettre le titan, c'est parti. Bim, ok. On a le titan, donc maintenant il faudrait que je monte à l'intérieur. Ok, c'est parti, go. Oh, c'est tellement cool. J'ai jamais monté à l'intérieur d'un gros avion cargo comme ça. Oh yeah. Là, on est badass. On galère un peu à avancer, mais tout va bien. Ok, c'est bon, ça passe. Juste un peu plus de vitesse et on pourra voler. Dégagez les voitures de police. Ok,
Là c'est bien. Là c'est bien. On s'envole. J'adore piloter l'avion parce que dans la dernière vidéo j'ai appris comment piloter l'avion. Parce qu'avant je savais pas. Et là c'est tellement cool. Est-ce qu'on a genre des roquettes ou une arme ou quoi? Non, on a juste la radio. Mais tout le monde s'en fout de la radio. Oh. Oh oui, alors ça c'est beaucoup plus mon type d'avion, ok. On va monter à l'intérieur du laser. Il a l'air tellement cool. J'espère qu'on pourra genre mitrailler les gens. Pouvoir tirer des roquettes et tout. Parce que je sais pas si on peut le faire avec tous les véhicules. Ok, on est parti. Je crois qu'on peut. Yes! On va pouvoir faire le chaos. Wouhou! On se croit dans un film américain, un gros budget. Là, juste là, il y a le building, c'est les locaux secrets du FBI. Sauf que ils sont pas vraiment secrets vu qu'ils sont en plein milieu de la ville et que c'est les plus grosses tours. J'aime pas du tout. On remonte, j'ai dit, putain, non! Je crois que l'avion est cassé. Vous savez quoi? On va aller au panneau à pied parce que le... Comment dire? C'est trop compliqué d'y aller avec un avion parce que je sais pas le piloter encore assez bien. Donc on est parti, on va y aller à pied. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc sympa ici? Parce que c'est sûr qu'il y a genre une bosse ou quoi qu'on pourrait prendre. Ok, vous savez quoi? On va prendre une moto et on va sauter à côté du panneau Vinewood. Ça pourrait être trop bien. Ok, on est parti. On va le faire, vous allez voir. Je vais le faire. Je crois en moi, je crois en vous, je crois en tout le monde. Allez, c'est parti. On va juste enlever la radio parce qu'elle m'énerve. Parfait. Ça, allez, on met le casque parce qu'on sait jamais. On risque peut-être de mourir. C'est parti. Yo! Ok, bon, donc je pense tout le monde qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur GTA 5. Je me suis éclaté à la fin et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu pour plus de vidéos sur GTA 5. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé jusqu'au bout. A plus, mon c'est Ayton, et ciao!